Bonjour. Troisième vidéo du cycle intitulé Un site impossible des architectures de qualité. Au niveau de cette vidéo, nous allons aborder un site situé au niveau du boulevard Mohamed V dans le quartier de Tilimni, à proximité d'Alger Centre. Ce site propose plusieurs défis que les architectes se devront de relever. Parmi eux, nous pouvons citer la reconstitution de la façade urbaine du boulevard Mohamed V, tel que nous pouvons le voir au niveau de cette axonométrie où le site est situé à ce niveau-là, et on peut très bien voir la composante architecturale de la façade urbaine de boulevard Mohamed V, constituée de différentes architectures à fort caractère, telles que l'architecture moderne de l'immeuble Lafayette, ou des architectures néoclassiques ou néo-mauresques, dont peut se targuer le boulevard Mohamed V. Le boulevard aussi, la parcelle, donc, sont situées à une certaine hauteur qui permet donc de pouvoir profiter d'une vue dégagée sur la baie d'Alger et donc sur la mer, et située entre deux échelles, celle de la ville, donnant sur le boulevard Mohamed V, un axe centralisant de la ville, et de l'autre côté, sur une échelle qu'on pourrait qualifier d'échelle du village, composée de petites maisonnettes à R plus 1, R plus 2 maximum. Donc le passage entre deux ambiances et deux échelles radicalement différentes, sur lequel les architectes devront prendre en considération lors de leur conception. Ils devront aussi prendre en charge la différence de niveau, bien que la parcelle est quasiment plate. Eh bien, une de ces mitoyennetés consiste en un mur mitoyen de 12 mètres de hauteur qui donne directement sur le jardin de la maison en face. Autre défi qui devra être relevé, c'est la configuration spécifique de la parcelle, un peu complexe en forme de L et fortement profonde, avec un rapport de 1 pour plus de 3, avec une largeur de 14 mètres donnant sur le boulevard et une profondeur de 48, de plus de 45 mètres, qui donne sur une rue secondaire, composée donc d'une cage d'escalier urbaine. Voilà donc parmi les différents défis, les différents défis que devront les architectes relever au niveau de cette parcelle. Le premier projet que nous allons exposer a déjà été exposé dans une autre vidéo précédemment, mais le fait que la vidéo souffrait d'une très mauvaise bande de son, donc je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de la réexposer ici dans de meilleures conditions de son. Le premier projet donc réalisé dans le cadre du projet de PFE par les architectes Ben Semen Kherden et Chetouh Abdellatif dans l'option PICA, projet intégré qualité architecturale en 2011, proposait la réalisation d'un immeuble de bureau appelé Immeuble 5, créateur de synergie. Les architectes ont commencé par constituer d'une sculpture, donc une forme qu'ils vont sculpter petit à petit pour répondre aux différents impératifs programmatiques et environnementaux vis-à-vis de l'environnement immédiat du site. On commençait donc dans un premier geste à chercher un alignement urbain aussi bien en plan qu'en hauteur, en allant chercher la hauteur la plus importante qui s'offrait à eux pour rentabiliser la parcelle et en s'alignant sur l'ensemble des mitoyennetés et des rues sur lequel donne le site, à savoir la rue piétonne, la rue Boulevard Mohamed V et l'impasse se trouvant derrière. Deuxièmement, ils ont procédé à un évidement à ce double niveau afin, premièrement, de permettre donc d'aérer, comme nous l'avons dit, donc de préserver l'intimité des habitants approximativement et d'éviter surtout d'étouffer ces derniers et d'étouffer la rue. Donc, ils ont proposé la projection d'un vide à ce niveau-là, qui en même temps, ainsi que par derrière, donc pour éviter d'étouffer la villa qui est juste en face et de lui présenter en face un mur mitoyen sur la totalité de la longueur de la façade qui risquerait donc d'étouffer et de proposer de mauvaises perspectives ou donc de choquer les habitants de la villa qui se retrouveront avec un mur mitoyen fort important en face d'eux. Donc ils ont proposé ce double évidement qui permet donc d'éviter d'étouffer les voisins de la parcelle et aussi donc de permettre d'aérer au maximum l'environnement par cette double percée. Suite à cela aussi, ils ont cherché donc à essayer d'assurer une continuité dans les écritures architecturales, comme nous l'avons dit tout à l'heure, un des défis est de pouvoir
reconstituer cette façade manquante de la paroi urbaine de boulevard Mohamed V, et ils ont décidé de s'aligner sur les hauteurs du bâtiment qui se trouve sur leur droite, donc de l'autre côté de la rue Piétonne, pour la simple raison que ce dernier offrait des hauteurs de niveau beaucoup plus importantes que celui qui est mitoyen sur leur gauche, étant donné effectivement que leur projet consiste en un centre d'affaires, donc sûrement la présence de faux plafonds assez importants pour prendre en charge tout ce qui est technique, à savoir les gaines, les câbles, etc. Et donc pour pouvoir y arriver et éviter de choquer la transition entre les écritures entre les deux bâtiments et d'assurer quand même toujours des continuités visuelles de perspective, ils ont décidé d'intégrer cette faille vitrée pour assurer une transition douce entre l'écriture assurée par leurs soins au niveau de leur projet d'architecture et la transition vers le nouveau bâtiment, le bâtiment existant et qui leur est mitoyen. Quatrièmement, c'est le rattrapage de l'alignement. Effectivement, si nous observons en plan, nous nous rendons compte que le bâtiment mitoyen et le bâtiment qui se trouve en face de l'autre côté de la rue Piétonne ne sont pas alignés. Et donc, les architectes proposent d'intégrer un traitement d'angle qui puisse permettre de reprendre cette transition entre les deux alignements différents des deux bâtiments existants et qui leur permettra aussi de marquer l'angle afin d'assurer un élément d'appel pour l'accès vers la partie arrière donc du village que nous avons qualifié du village de Tilligny, et en même temps marqué par le traitement dont on en voit a été fait de telle manière à assurer la hiérarchisation de la lecture entre les deux voies, donnant la partie la plus importante sur le boulevard Mohamed V et la partie la moins importante sur la rue Piétonne. Suite à cela, il décide aussi, toujours dans un désir de préserver l'échelle et d'éviter d'écraser au maximum leur environnement, de rabaisser le niveau supérieur, créant ainsi un attique qui est donc aussi dans la tradition des bâtiments 19e, 20e algérois et des bâtiments dits haussmanniens, donc par la création d'un retrait qui permet donc encore une fois de participer à éviter l'étouffement et d'assurer l'aération des voisins de la parcelle. Ils ont aussi cherché, puisque la parcelle donne bien qu'elle soit en forme de L, elle donne sur trois rues, une rue piétonne et deux rues mécaniques, enfin la deuxième étant une impasse. Et vu que c'est un centre d'affaires composé aussi entre autres de parkings souterrains, eh bien, ils proposent de réaliser l'entrée de leur équipement, du parking plutôt de leur équipement, par la rue secondaire située à ce niveau-là. Et donc, il crée un saillie avec un porte-à-faux, donc l'imbrication d'un volume, qui permet donc de marquer l'accès au parking. Lorsque nous sommes positionnés sur la terrasse de l'immeuble Lafayette, le bâtiment emblématique d'Alger, eh ben, cette cour qui est fortement utilisée pour différentes raisons, pour différentes manifestations, eh ben, ils sont rendus compte qu'ils risquaient d'étouffer la perspective, puisque nous voyons là en face, en réalisant un mur mitoyen fort important, et qui risquait donc de réduire la qualité visuelle et perspective échappée visuelle à partir de cette esplanade. Ils décident ainsi de créer un recul qui leur permet donc de pouvoir agir sur ce mur mitoyen et d'en proposer un mur végétalisé qui va apporter un peu de gaieté au sein de cette perspective. Enfin, ils réalisent, donc après toutes les petites opérations de sculpter le bloc de départ, ils créent un élément unificateur qui est donc cette double paroi, donc cette paroi qui se rabat au niveau supérieur et donc qui marque aussi le couronnement du bâtiment, respectant ainsi cette tradition et donc cette spécificité de cette architecture dite haussmannienne 19e, 20e, avec la règle de la tripartite, le soubassement, le couronnement. Donc, ils assurent le couronnement de leur bâtiment de la manière un peu plus moderne, et ainsi, ils assurent donc l'unification et de créer l'unité au sein de l'ensemble de leur bâtiment, donc de leur futur centre d'affaires. Je tiens juste à marquer une petite parenthèse à ce niveau-là de ce projet-là, pour montrer comment les architectes, lorsqu'ils réfléchissent bien leurs actions, et bien ils arrivent avec une seule action à répondre à différents objectifs et donc à créer ce que j'appellerais personnellement des qualités au sein de leur projet qui vont permettre d'améliorer aussi bien le cadre de vie à l'intérieur du bâtiment, mais aussi d'améliorer le cadre de vie de leur environnement. Ainsi, cet évidement que nous avons vu dans une des actions menées par les architectes, comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, permet effectivement donc d'aérer
le quartier et donc d'éviter son étouffement et de préserver l'intimité, mais aussi il permet de donner certaines qualités à l'intérieur du projet. Donc le hall situé au niveau de l'accès principal situé au niveau du boulevard Mohamed V. Donc lorsque nous arrivons à l'intérieur, nous débarquons dans un hall en triple hauteur qui a une vue qui donne donc une vue pénétrante et qui a la capacité de pouvoir observer le niveau supérieur, donc le trou réalisé à ce niveau-là et qui a été transformé en jardin suspendu, donc planté. Et bien, dès que nous rentrons, nous, par cette perspective offerte sur l'espace supérieur à partir de la mezzanine, sur ce fameux jardin, et bien, ça crée une certaine qualité pour les nouveaux clients qui pourront donc sentir qu'ils sont dans un espace d'exception. Cette cour aussi, donc supérieure, donc réalisée grâce à cet évidement, permet donc de créer une cafétéria au niveau de la mezzanine qui a son espace, une extension sur la terrasse qui donne sur cet espace-là. Donc, qui crée encore de la qualité au niveau de la fonction et l'usage de cafétéria au sein du projet. Tenons à rappeler aussi que les architectes ont profité pour implanter au niveau après le retrait, donc l'épaisseur qui restait n'était pas fort importante, mais était intéressante pour pouvoir y implanter toutes les circulations verticales, principalement les ascenseurs et certains cages d'escalier, qui permettent donc de pouvoir centraliser et positionner le bloc de circulation verticale dans une position centrale vis-à-vis de l'ensemble du projet, permettant donc ainsi de multiplier les scénarios de division des différents plateaux offerts pour pouvoir les louer à différentes catégories d'entreprises. Donc nous ne sommes pas, nous multiplions les possibilités de louer aussi bien un plateau complet, c'est-à-dire un niveau complet, un plateau ou un autre plateau, diviser ce plateau en deux, étant donné la position stratégique qui a été permise par le positionnement de la cage d'ascenseur et des escaliers. Autre chose aussi, les ascenseurs étant les espaces qui seront le plus utilisés pour la circulation, il était intéressant de leur offrir un environnement agréable avec, dans l'espace d'attente, le moment d'attente de l'ascenseur donnant directement sur ce vide et donc cet espace végétalisé. Nous tenons aussi à rappeler que ceci a permis aussi de multiplier et d'augmenter la surface des façades libre et donc des façades à partir de laquelle nous pouvons ramener de la lumière pour les espaces intérieurs. Étant donné que ce sont donc des centres d'affaires et parmi les plus importantes qualités que doivent avoir les centres d'affaires, c'est d'avoir une bonne qualité de lumière pour les plateaux de travail. Ainsi, au lieu d'avoir une façade totalement continue à ce niveau-là, le fait de faire un évidement et donc le rabattement de ces deux façades permet d'augmenter la qualité de la lumière naturelle qu'ils puissent accéder à l'intérieur et donc d'offrir des qualités d'espace et des ambiances beaucoup plus intéressantes et donc beaucoup plus conviviales pour les futurs locataires de ce bâtiment. Enfin, précisons que pour ce genre d'équipement, il est toujours conseillé d'avoir une salle de conférence. Et à ce titre-là, une salle de conférence a sa propre structure qui n'est pas la même que les structures pour les surfaces de logement ou de bureaux qui sont en général nécessitent pas de grandes portées mais des petites portées parce que ça coûterait très cher de faire de grandes portées. Et donc, il serait intéressant toujours de rationaliser l'utilisation de la structure. Or, pour les salles de conférence, on était dans l'obligation d'avoir des grandes portées. Et si on devait superposer des petites portées sur de grandes portées, et bien ceci poserait un problème structurel ou alors coûterait excessivement cher. Et bien le fait qu'ils ont réalisé cet évidement sur la rue piétonne leur permettait donc au niveau de créer non seulement la terrasse végétalisée, mais d'avoir un bloc, un volume totalement indépendant de la structure des autres entités, permettant ainsi au niveau du volume jaune que nous voyons ici, qui est donc en contrebas de la terrasse végétalisée qui donne sur la cafétéria, de pouvoir réaliser en dessous la salle de conférence qui posséderait sa propre structure qui sera totalement indépendante du reste. Donc nous voyons comment avec un geste simple, l'évidement, les architectes ont réussi un coup de génie, à savoir aérer et mieux éclairer, préserver l'intimité des bâtiments en face et préserver la qualité des perspectives de ces derniers, offrir un hall magnifique avec des vues sur le cadre végétalisé fort intéressant, projeter une cafétéria au-dessus avec une qualité spatiale en extension sur un jardin, positionner la cage d'escalier donc qui permettrait donc de mieux rentabiliser la location des différentes surfaces du centre d'affaires et projeter la salle de conférence qui, de par sa structure ne viendrait pas déranger et ne nécessiterait pas donc un surplus dans le coût par rapport à la gestion de ces structures-là entre petites et grandes portées.
Voilà ce que ça donne un peu le projet dans sa globalité. Donc nous voyons ici le retrait qui a été réalisé avec l'augmentation des surfaces vitrées pour améliorer la qualité de vie à l'intérieur, le petit volume imbriqué à ce niveau-là qui permet donc de marquer l'entrée sur l'impasse vers comment ça s'appelle, vers le parking. Et à ce niveau-là, nous voyons donc la faille qui a été mise en place pour assurer la transition entre les lignes qui sont donc ces lignes-là qui sont en continuité avec le bâtiment d'en face, mais qui ne le sont pas avec celui qui est de l'autre côté, vu que c'est des hauteurs différentes. Et ben, la faille qui permet donc d'assurer cette transition et donc de marquer la façade du boulevard Mohamed V. Le deuxième projet que nous présentons est le IT Game Lab, qui est un incubateur d'entreprises de création de jeux à Alger, présenté par l'architecte Youssef Abdelrazak Taraka lors de son projet de PFE réalisé dans le cadre de la spécialité ID, intégration et durabilité, soutenue en 2019. L'architecte a cherché en premier lieu à ponctuer et à adapter le projet à son environnement par rapport à la rue piétonne Maurice Ravel, en introduisant deux plateformes qui les a fait caler avec les niveaux des paliers de l'escalier urbain qui se trouve sur la rue Maurice Ravel, et ceci déjà pour créer des moments de pause, mais aussi dans le cas futur de pouvoir proposer des évacuations possibles de sécurité incendie qui donneraient directement sur la rue extérieure en respectant donc, en se calant sur le niveau de la rue escalier, donc des marches de la rue piétonne. L'autre opération consistait donc à créer une émergence par la création de deux volumes, le premier donnant sur le boulevard Mohamed V, donc calé sur le bâtiment mitoyen, qui peut constituer un élément d'appel, et le deuxième en arrière-plan, situé de telle manière à respecter l'évidement par rapport à la villa qui se trouve en face, et donc il ne l'a pas planté de manière juste en face pour éviter d'étouffer cette dernière-là, mais en se retirant un peu afin de pouvoir assurer la création d'un passage urbain entre la rue Lafayette et la rue Morisseau. Troisièmement, assurer ce qu'il appelait donc coordonner, donc en créant un nouveau volume qui vient s'implanter pour densifier et intégrer les futures fonctions du bâtiment, mais l'implantant de telle manière à éviter donc de venir étouffer l'évidement, donc la cour du bâtiment mitoyen, donc d'assurer toujours à ce dernier le maximum d'éclairage et d'aération. Et en se retirant toujours par rapport à la villa qui se trouve en face pour éviter toujours donc de créer un étouffement pour cette dernière-là, tout en s'offrant la possibilité de pouvoir éclairer au maximum les espaces intérieurs. Connecté. Rappelons, informons, nous informons aussi que le concept qui a été choisi par l'architecte pour la réalisation, donc l'idée forte du parti architectural de ce dernier, était le circuit imprimé. Étant donné qu'il était dans l'univers des jeux vidéo et donc du domaine de l'informatique, l'idée lui est venue de réaliser, de marquer, d'avoir recours au concept du circuit imprimé, qui est donc l'élément articulateur entre les différents composants d'une carte mère ou tout élément composant d'un ordinateur. Et donc ce dernier est composé d'un ensemble d'éléments totalement indépendants qui ont des usages bien spécifiques et qui, à la fin, c'est le circuit imprimé qui vient et qui met tout ceci en connexion et en relation. Ceci permettait à l'architecte de réaliser, non seulement de marquer un peu l'image de ce projet, d'assurer une mise en connexion, une harmonisation entre l'ensemble des entités qu'il avait créées, qui avaient donc pour raison aussi bien de répondre à des usages spécifiques, mais de respecter son environnement en évitant d'étouffer aussi bien la cour intérieure mitoyenne que le bâtiment en face, que la villa qui est derrière. Et il lui permettait donc aussi de constituer un petit élément de curiosité qui puisse emmener la personne, puisque le ruban est visible sur la totalité. Donc il permet à intéresser les personnes et à titiller leur curiosité pour les intéresser à découvrir petit à petit l'ensemble du projet, puisque ce dernier sera matérialisé aussi bien sur l'aspect extérieur, mais aussi sur l'aspect intérieur. Enfin, dans un souci donc de toujours de respect de l'échelle humaine, surtout par rapport à la rue Maurice Ravel, comme nous l'avons vu, donc c'est une rue qui est assez étroite. L'architecte introduit cet élément-là qui permet en premier lieu donc de retrouver l'échelle humaine pour les piétons qui montent sur le boulevard Mohamed V, mais aussi pour les piétons qui vont emprunter l'escalier urbain dans la rue Maurice Ravel, et pourra ramener tout ça à une hauteur entre 4 mètres et 3 mètres 60, et donc participe à éviter d'écraser les personnes qui sont de passage à ce niveau-là.
et aussi de permettre de marquage de la transition entre le soubassement et le corps. Tout un travail a été aussi fait par l'architecte afin de pouvoir assurer la tripartite par rapport à la question du soubassement du corps et du couronnement. Donc c'est un travail qui a été fait principalement pour ce qui concerne le couronnement dans le traitement de l'enveloppe, dont je rappelle des vidéos suivront quelques temps plus tard pour essayer d'expliquer la manière avec laquelle les architectes développent et traitent leur enveloppe, donc leurs façades. Donc nous voyons ici un peu le résultat qu'ils donnent par ces fameux volumes qui remettent à l'échelle humaine, ces deux éléments hauts mais qui donnent sur l'arrière, un donnant directement sur le boulevard Mohamed V et l'autre sur la rue piétonne de la rue Lafayette de l'autre côté, et le bâtiment, comment il respecte la partie qui est en face de la villa, comment il arrive à intégrer pour respecter l'échelle de cette dernière, en évitant donc de l'écraser et de l'étouffer, et en évitant de lui proposer une paroi mitoyenne qui risque de, donc encore une fois, d'étouffer cette dernière. Et donc nous voyons ici l'élément d'appel qui consiste en ce fameux ruban que nous voyons se développer ici tout le long de l'architecture de l'architecte, du projet de l'architecte, et qui va constituer donc l'élément fort, l'élément articulateur de l'ensemble des composants de son projet. Voilà donc quelques images en dernier lieu. Donc nous voyons donc ce traitement qui remet à l'échelle humaine, qui marque la transition entre le soubassement et le corps. Nous voyons donc aussi cet élément-là qui permet donc la transition, donc le fameux circuit imprimé qui nous voyons donc à ce niveau, voilà, qui fait le tour du projet et qui réapparaît de l'autre côté sur la rue Lafayette. Troisième projet que nous allons présenter est celui de Mademoiselle Abdelawi Jamila, qui est le projet de Street Art Center, un centre de création artistique à Alger. Première action qu'a voulu réaliser notre architecte, c'est la création d'un volume mitoyen sur la façade du boulevard Mohamed V par rapport au bâtiment existant, et elle a voulu donc lui donner ces proportions-là, donc qui tendent vers la verticalité, afin de reprendre la dominance du bâtiment mitoyen, donc d'assurer un certain dialogue, de réinterpréter la verticalité proposée par ce dernier par un volume dont les proportions accentueraient donc l'effet de verticalité et constitueraient donc un élément d'appel au niveau de cette voie. Deuxièmement, assurer donc un retrait, donc se retirer, donc créer un espace tampon nécessaire pour ce type d'équipement ERP recevant du public, et donc création d'un espace tampon, et en reprenant l'alignement sur la totalité de la rue Maurice Ravel, par ce bâtiment qui aussi, de par ses proportions, va essayer de reprendre, comme on le verra un peu plus tard, l'effet par contre d'horizontalité proposé par ce bâtiment à côté, obtenu grâce à ses balcons. Troisièmement, donc, comme nous venons de le dire, donc, essayer de reprendre, de dialoguer avec le bâtiment de l'autre côté, en face de l'autre côté de la rue Maurice Ravel, par l'introduction de ce volume intermédiaire donc, qui est en lévitation, qui permet donc non seulement encore de mieux marquer l'entrée, donc de la remettre à l'échelle, de marquer l'horizontalité, aussi donc, par ses proportions, de marquer encore l'effet d'horizontalité pour mieux dialoguer avec le bâtiment qui est en face, et d'assurer donc une transition d'échelle entre la grande échelle obtenue par les deux premiers volumes et celle-ci, et donc assurer une transition entre l'échelle de la ville et l'échelle du village situé à le côté arrière de notre parcelle. Quatrième action est d'assurer un alignement obtenu donc par la rue de l'autre côté de la parcelle sur la rue Lafayette, en reprenant les alignements et constituant donc un bâtiment qui reprend les gabarits et respecte donc l'échelle des bâtiments à proximité et mitoyens. Afin d'éviter donc d'étouffer la villa qui est en face et d'éviter donc de constituer un élément perturbateur par rapport à cette échelle-là donc de quartier, donc que nous avons appelé échelle village. L'architecte a cherché donc à introduire un volume qui permet non seulement d'assurer des mises en connexion et de répondre aux différentes conditions programmatiques, mais aussi donc par le rabaissement de sa hauteur, donc avoir une hauteur moins importante que l'ensemble, assurer donc une transition douce qui respecte les échelles d'élévation des immeubles qui se trouvent dans son environnement. Une petite recherche donc de marquage, parce que c'est un équipement qui a différentes entrées au vu des différentes fonctionnalités qu'il propose.
mais aussi afin d'assurer une meilleure condition de sécurité incendie, offrant donc la multiplication des possibilités d'évacuation en cas de problème. Création, dans l'étape suivante, c'est la création d'un patio intérieur qui non seulement améliore donc le cadre de vie à l'intérieur du bâtiment, donc par la création et la multiplication de surfaces d'éclairage naturel qui vont permettre donc d'avoir des espaces éclairés naturellement, et donc il n'y a rien de mieux que d'avoir des espaces éclairés par la lumière naturelle, ce qui permet d'avoir des ambiances et une psychologie fort intéressante pour les personnes qui vont les utiliser. Mais il permet aussi de répondre, tel que la spécialité l'indiquait, intégration et durabilité, idée, donc de prendre en charge la dimension de durabilité par la possibilité de pouvoir assurer de l'aération naturelle et de l'éclairage naturel, et donc d'avoir le moins possible recours aux ventilations artificielles et à la climatisation. Enfin, afin de permettre à l'ensemble des habitants de ce quartier-là de profiter d'un manque flagrant d'espace public de regroupement dans lequel les gens du quartier peuvent se retrouver, l'architecte crée un élément, donc cette création de cette porte urbaine qui permet donc l'accès vers la cour intérieure et par l'intermédiaire d'un espace public aménagé pour profiter à l'ensemble des habitants du quartier, qui permet aussi donc de réduire l'échelle filante de cet élément-là du projet, donc de réduire et de le remettre à l'échelle de ce passage Maurice Ravel, et donc de permettre encore une fois non seulement aux habitants de pouvoir accéder, mais de multiplier encore les possibilités d'accès et d'évacuation à travers la cour, puis à travers cette porte vers l'espace public et l'extérieur, et donc d'assurer au maximum la sécurité des utilisateurs de cet équipement. Nous voyons donc ici le résultat final. Donc nous voyons donc le marquage de l'angle pour la hiérarchisation des voiries, le traitement vertical par rapport au bâtiment à coller, aussi donc cet effet d'horizontalité qui permet donc de marquer et de dialoguer avec le bâtiment en face, cet élément-là donc conseillé aussi, qui permet donc de créer aussi bien le niveau d'attique en haut et de se démarquer par rapport à la partie basse, et donc d'assurer la reprise du langage 19e, 20e de l'architecture dite haussmannienne et classique avec la tripartite soubassement, corps et couronnement. À ce niveau-là, c'est la porte urbaine qui permet donc d'accéder à cet espace public ouvert à tous. Et à ce niveau-là, nous voyons la fameuse cour intérieure, et donc le patio qui a été créé, qui permet donc non seulement d'assurer une bonne aération au bâtiment existant et ne pas l'étouffer, mais de s'assurer à soi donc le maximum d'éclairage naturel et donc de cadre de vie agréable, avec ce niveau, à ce niveau, qui n'est pas très haut, donc qui respecte l'échelle de la villa qui est en face, et qui crée une terrasse indépendante pour les utilisateurs de cet équipement. Quatrième projet que nous allons présenter à ce niveau, c'est celui de Mademoiselle Djibrouni Sarah, soutenue de l'année 2019 dans la spécialité idée, intégration et durabilité. Il constitue en The Health Art Center, c'est un centre de santé, de maintien de la santé et d'amélioration de la santé morale et psychologique des personnes, principalement les jeunes, à travers le recours à l'art. Donc la thérapie par l'art. La première action réalisée par l'architecte fut de s'intégrer par la projection d'un socle qui reprend la totalité de la forme, un socle qui reprend la totalité de la forme de la parcelle et qui, dans la hauteur, se positionne exactement au niveau de la du palier intermédiaire, palier de repos de l'escalier urbain de la rue Maurice Ravel, et qui donc permet un accès de plein pied des passants vers cette partie, et qui pensait justement l'architecte à l'intégration d'espaces ouverts à ces différents jeunes et habitants du quartier. La deuxième action était donc de respecter son environnement par la projection d'un volume en L qui est en retrait, en fort retrait vis-à-vis du bâtiment existant, toujours pour respecter l'ensoleillement et l'aération du bâtiment en face, tout en aussi profiter par ce recul-là d'avoir un angle de vue le plus ouvert possible. Et donc ce bâtiment-là voisin ne va pas constituer un obstacle visuel vis-à-vis de tout le maximum de bureaux et d'espace donnant sur cette
façade, ce qui permet donc de profiter, comme nous pouvons le voir à ce niveau-là, au maximum de la vue sur la baie d'Alger et donc de profiter de la vue sur la mer. L'introduction à ce moment-là donc rayonnée par l'introduction donc d'un volume intermédiaire qui, tel que nous voyons dans la coupe, permet la remise à l'échelle et donc le passage en transition entre la partie basse et la partie haute. Donc c'est une façon aussi de matérialiser cette tripartite soubassement corps couronnement et le faire de telle manière à respecter avec un prospect qui respecte toujours l'ensoleillement et l'aération des habitants de ce bâtiment en face, et donc d'éviter encore une fois de l'étouffer par l'introduction aussi d'une terrasse végétalisée qui introduit aussi, même pour les habitants de cet immeuble-là, une certaine qualité visuelle que celle qui existait avant par l'observation des murs mitoyens des bâtiments existants. Enfin, dernière action qui a été réalisée, c'est celle de la séquentialisation de ce bâtiment-là par la création d'un ensemble de verrières qui permettent donc, entre autres, de la création de serres bioclimatiques, mais aussi et surtout d'introduire de la lumière, maximum de lumière naturelle à l'intérieur des espaces de l'équipement, ce qui, donc encore une fois, participe à la dimension de la durabilité du bâtiment en réduisant le recours à de l'éclairage artificiel et d'améliorer la qualité des espaces intérieurs par le recours au maximum à la lumière naturelle et donc la réduction aussi de recours à l'énergie artificielle. Nous voyons donc ici quelques images, donc nous voyons très très bien la diagonale installée par l'architecte qui permet donc d'aérer au maximum l'environnement, d'éviter l'étouffement. Donc cet élément-là qui sert de transition entre la partie d'accueil et le reste du bâtiment, donc le marquage du soubassement du corps et du couronnement. Et nous percevons aussi donc les différentes séquentialisations qui ont été introduites. Donc nous les voyons à ce niveau-là. Donc lorsque nous sommes installés au niveau de à l'intérieur, donc à proximité de ces fameuses serres, donc l'évitement que ça crée, donc l'éclairage maximum. Et là, c'est la fameuse terrasse projetée à ce niveau et donc qui permet donc à une terrasse d'avoir une vue magnifique sur la baie d'Alger et d'offrir un cadre agréable pour l'introduction de la dimension paysagère, donc la végétation. Qui introduit donc cet élément naturel dans ce quartier, donc qui améliore le cadre de vie. Et nous voyons donc à travers ce croquis réalisé par l'architecte la possibilité donc de profiter de vues magnifiques sur la baie d'Alger et donc de constituer un plus pour ce centre de réhabilitation par l'art, mais aussi par le contexte naturel et environnemental. Le cinquième et dernier projet que nous allons présenter au niveau de cette vidéo est celui de Mademoiselle Benamara Mriem, réalisé dans le cadre de son PFE en 2019 dans la spécialité IT, donc intégration et durabilité. Le projet consiste en un learning center appelé Quick Click Learning Center. C'est un centre qu'elle avait imaginé en tant qu'un dispositif de transition entre les anciens dispositifs d'enseignement et d'apprentissage et les nouveaux entre la grande échelle et la petite échelle, donc un moment de transition entre les différentes compositions, et donc c'est un concept qui a été fort important tout le long de son travail. Première opération qu'elle a réalisée, c'est le respect des deux échelles, celle de la ville donnant sur le boulevard Mohamed V et celle de la villa et du village donnant sur la partie arrière, et donc sur la rue de Lafayette, en introduisant donc deux volumes qui respectent ces deux échelles-là. Suite à cela, donc, elle permet donc une transition entre ces différentes échelles, donc par deux bâtiments. Donc nous avons bien vu que les hauteurs sont différentes, et donc assurer de la transition par un volume qui non seulement donc assure la transition entre les deux volumes qui respectent les deux échelles, mais aussi donc deux composantes programmatiques différentes par l'intermédiaire d'un volume intermédiaire où vont se concentrer principalement tous les éléments de circulation verticale. Horizontale, mais aussi la création d'un espace tampon qui permet à tous les utilisateurs de la rue Maurice Ravel, donc de l'escalier urbain, de pouvoir créer un moment de pause, un moment d'arrêt, et donc un moment de partage pour les habitants, vu que le manque flagrant d'espace public au sein de ce quartier. Troisièmement, donc, c'est créer encore une transition entre l'ancien et le nouveau par l'intermédiaire de l'introduction de cette sorte de cap et donc de casquette qui permet donc d'assurer une transition entre les deux bâtiments. L'opération suivante a constitué d'assurer l'introduction d'un volume en verre, donc il va être le futur atrium qui va permettre non seulement d'apporter de la qualité d'éclairage à l'intérieur, de la qualité de verre sur le bâtiment, mais en le calant à partir
En l'occurrence, sur la cour existante du bâtiment mitoyen, elle permet donc d'éviter de créer une paroi totalement fermée et donc d'étouffer la cour intérieure, mais de créer une certaine, un rapport visuel et donc de transition entre la cour existante et le nouveau bâtiment qu'elle projette au niveau de ce site-là. Introduisons aussi dans l'étape suivante la réalisation de deux soustractions au niveau de l'avenue Mohamed V, qui permet donc de respecter encore, de travailler avec la logique de tripartite, mais de créer donc un premier en contrebas, donc la partie sous-bassement, donc d'un espace tampon nécessaire pour, encore une fois, pour ce type d'équipement recevant du public. Donc il faut un espace de transition entre la rue et l'intérieur du bâtiment, mais aussi d'assurer dans la hauteur une terrasse qui profiterait au maximum de la vue du cadre de vie qui serait offert aux futurs utilisateurs de cet équipement-là. Une nouvelle imbrication se fait au niveau de l'angle afin d'annoncer donc le passage et la transition entre le boulevard Mohamed V et la rue Maurice Ravel et donc le passage vers le village Sidimli. Une opération donc de l'autre côté sur la rue Lafayette, donc en créant un percement qui permet donc de reprendre un percement dans un volume qui reprendrait l'échelle du bâtiment en face, toujours dans une optique d'assurance aussi de cette transition entre le soubassement, le corps et le couronnement. Revenant donc sur la rue Maurice-Audin, l'introduction de cet élément d'angle permet donc au niveau de la place et le vide qui a été créé, qui servira d'espace public offert aux habitants du quartier, de les remettre à l'échelle, de ne pas les faire ressentir écrasés par rapport à la hauteur des volumes proposés. Et enfin, la création d'un petit retrait assure donc la transition et la continuité entre ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur, donc éviter d'avoir des ruptures visuelles, mais assurer au contraire une séquentialisation qui permet donc des transitions intérieures et extérieures. Enfin, donc nous voyons à ce niveau-là les différentes manières avec lesquelles tout ceci a été réalisé, matérialisé, à la fin avec le traitement d'enveloppe et tout. Donc nous voyons donc ce fameux élément qui est le traitement d'angle bien orienté, qui permet donc de profiter des rues d'Alger, le cadrage qui a été fait au niveau de la rue Lafayette pour assurer l'échelle, la transition et le respect de la tripartite. À ce niveau-là, le fameux atrium calé sur la cour intérieure. Et à ce niveau, donc, nous voyons comment le travail a été fait pour l'introduction de le fameux retrait, visible aussi à ce niveau-là, et donc qui est offert aux différents écoliers et utilisateurs de la rue Maurice Ravel, les habitants du quartier de Tilimni. Donc, le retrait qui a été instauré pour permettre la création de cet espace public offert aux habitants du quartier avec l'introduction de ce volume qui permet donc de remettre l'ensemble à l'échelle. Merci de votre attention et à une prochaine vidéo pour un nouveau site impossible, des projets de qualité. Au revoir.